venez d'accepter de participer au projet de livre numérique Écriture de la Terre à destination des adolescents libanais. Je voulais savoir pourquoi ce projet avait retenu votre attention. Et j'ai surtout vu la partie que vous avez consacrée à la Guyane. Et j'ai trouvé d'abord que bon, le site était très bien fait. J'ai trouvé que les textes écrits par les adolescents, qui sont beaucoup plus des très jeunes gens que des adolescents, en fait. Ces textes-là étaient très bien écrits, vraiment très agréables à lire. Et puis, ils mettaient effectivement en relation, ils mettaient le lecteur au courant de quelque chose de la culture guyanaise. Et en même temps, une sensibilité, un rapport de ces enfants-là, des enfants du 21e siècle, à leur terre, à leur culture, à leur origine. Et en même temps, c'était des textes dont la facture littéraire était quand même intéressante, dans laquelle on retrouvait des espèces de flux, comme ça, de vieilles traditions, peut-être orales, en ce qui concerne la Guyane. Donc ces textes-là étaient très intéressants. Et par ailleurs, tout l'apparat, tout ce qu'il y avait autour, notamment ces photos sur les arts premiers, ces photos sur la Guyane, qui sont des photos artistiques, fort, fort jolies. Et tout ce qui concerne aussi de tous ces petits films qui ont été faits, tout ça donnait une image de la Guyane, donnait une image de la jeunesse guyanaise, et ça m'a beaucoup intéressé, je trouvais ça très très bien, et l'idée de faire la même chose sur le Liban m'a paru une très bonne idée. Bon, opportun. Est-ce que vous pensez que ce projet peut apporter à la jeunesse ou aux adolescents libanais? Il va apporter à ceux qui vont collaborer au projet d'abord, parce qu'il va les pousser à réfléchir peut-être à quelque chose en fonction du sujet que vous allez leur proposer. Ça va peut-être les pousser à réfléchir à la réécriture d'un mythe fondateur, si vous restez sur votre projet de toute façon, ou un autre. Ils seront amenés à réfléchir à une espèce de réactualisation d'un vieux mythe fondateur de la République libanaise aujourd'hui, à le réactualiser, et en même temps, ça va les pousser, à ceux qui participeront au projet, à réfléchir à leur être de Libanais aujourd'hui, au XXIe siècle, en rapport avec le Liban qu'ont connu leurs parents, au Liban dont ils rêvent, au Liban qu'ils se sont construits, que leur imaginaire leur a permis de se représenter. Donc ils vont se situer dans cette espèce de Liban imaginaire et dans le Liban réel, et produire quelque chose qui leur permettra de se situer là-dedans. Et puis pour ceux qui, plutôt après ça, découvriront les textes eux-mêmes, ça leur permettra de se mettre en rapport avec ces textes, et donc de se situer eux-mêmes dans ce Liban imaginaire par rapport aux textes qui ont été écrits. Je pense que c'est très intéressant pour ceux qui vont participer et pour tous ceux qui vont plus tard être amenés à voir et à regarder ce projet-là, à le lire. Le Liban est plutôt connu à cause de la guerre, d'événements malheureux. Est-ce que vous pensez que ce projet, d'une certaine manière, par rapport à la jeunesse, pourrait changer, pas l'image du Liban, pourrait le regard, en tout cas, des autres jeunes, d'autres régions francophones du monde sur le Liban, vous voyez? Oui, certainement. Parce que pour les Libanais eux-mêmes, le Liban n'est pas connu que par la guerre, hein, parce que les Libanais le vivent tous les jours, le pays. Non, mais cela dit, effectivement, pour ceux qui vont aller sur le site et découvrir toute cette page consacrée au Liban, ce chapitre consacré au Liban, ce module libanais, effectivement, ils découvriront un pays qui a existé avant et qui existait après cette fameuse guerre. Et ça, c'est une chose à laquelle moi je tiens particulièrement, puisque tous mes livres d'ailleurs tournent autour de ce qui vient avant la guerre, en particulier. Et c'est une chose qui me tient à cœur, en particulier. Et je vous le dirai, bon, vous couperez si vous voulez après, mais une des choses qui m'a beaucoup frappé dans les rencontres que j'ai eues avec le public lors de la parution de mon premier livre, c'est que beaucoup de gens m'ont dit on a découvert qu'il y avait un Liban avant la guerre. Et si vous réussissez, vous, à faire ça et à le montrer et à le mettre à la portée des jeunes du monde, ce serait vraiment très bien.